Monseigneur, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez par le canal de la télévision dans cette très belle salle Garnier, la salle de l'Opéra de Monte-Carlo. On dit la salle Garnier puisqu'elle a été édifiée par Charles Garnier comme l'Opéra de Paris. Alors, vous savez que vous allez assister à quelque chose de tout à fait exceptionnel, la finale d'un concours de piano. En soi, ça peut ne pas vous paraître exceptionnel, mais si je vous dis que ce concours est unique au monde, vous allez comprendre que c'est exceptionnel. Il est unique au monde parce que on peut l'appeler le concours des concours. Pourquoi? Parce que Jean-Marie Fournier, qui en a eu l'idée il y a de cela 4 ans, il vous expliquera tout à l'heure comment et pourquoi, a inventé un règlement tout à fait particulier. Pour pouvoir se présenter à ce concours, à ces masters de piano de Monte-Carlo, il faut avoir auparavant été déjà lauréat d'un des grands concours de piano internationaux. C'est vous dire que le niveau de recrutement est au plus haut. C'est ce qui assure une qualité musicale du plus haut niveau. Et puis, il faut avoir non seulement une musicalité de premier ordre, mais il faut avoir, si j'ose dire, des nerfs d'acier et des muscles solides. Pourquoi? Parce que pendant toute une semaine, les candidats qui doivent arriver à cette finale sont soumis à un train d'enfer, des épreuves impressionnantes. J'ai noté, par exemple, ce qu'a dû affronter une des deux finalistes que j'ai pris au hasard, puisqu'il y a deux finalistes ce soir, pour parvenir à la finale. Écoutez bien. En 8e de finale, elle a interprété le prélude des fugues en la mineure de Bach, la sonate en fa majeur de Haydn, l'étude opus 10, numéro 12 et opus 25, numéro 6 de Chopin, les 4 mazurkas opus 30 de Chopin et l'étude appassionata de Liszt. 8e de finale. En quart de finale, l'intégrale des scènes d'enfants de Schumann, la vallée d'Obermann et Mephistovals de Liszt, étude tableau opus 39 numéro 3 de Rachmaninoff et une valse de Peter Tosh. C'était les quarts de finale. En demi-finale, la sonate en ré majeur de Scarlatti, la sonate Waldstein de Beethoven, la sonate opus 35 et la polonaise fantaisie de Chopin, ce qu'a vu le vent d'ouest et Minstrel de Debussy, et la suite opus 14 de Bartok. C'est vous dire qu'à travers ces 3 récitals, véritables récitals, de plus d'une heure, 1 heure et demie pour celui de la finale, que même les pianistes très engagés dans la carrière hésiteraient peut-être à inscrire à leur répertoire d'emblée, comme ça, quand on les donne sans entracte, en continuité et par cœur, c'est vous dire que le niveau des artistes qui sont arrivés en finale est au plus haut. Ces artistes, de surcroît, on commençait cette finale ce soir, puisque nous rejoignons la finale dans sa deuxième partie, la partie décisive, en interprétant chacun en entier le 3e concerto de Beethoven, avec l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo qui se trouve derrière moi, et sous la direction de celui qui le dirige toute la soirée, son chef Jean-Bernard Pommier, son chef pour un soir, puisque vous savez que ce n'est pas le chef titulaire de l'orchestre philharmonique de Monte-Carlo, mais Jean-Bernard Pommier a été choisi pour cette finale, parce que non seulement c'est un chef, mais c'est aussi un grand pianiste, un des plus grands pianistes français, qui mène de front ces deux activités de chef et de pianiste. Alors, après avoir interprété ce 3e concerto de Beethoven, chacune de ces deux finalistes va interpréter un autre concerto qu'elle a choisi. Pour l'une, ce sera le 1er concerto de Liszt, pour l'autre, le 3e concerto de Prokofiev. Et puis ensuite, le jury se retirera pour délibérer. Pendant ce temps-là, nous vous présenterons un petit film d'une 20aine de minutes que Jean-François Clerc, qui réalise cette émission, et son équipe, a aussi réalisé pendant toute cette semaine en suivant tous ses concurrents pour vous montrer l'envers du décor, l'intimité, la manière dont s'est organisée toute cette semaine à travers des petites touches, non seulement la préparation des épreuves, mais aussi les difficultés, les petites difficultés, les hésitations, enfin tout ce qui fait la chair de ces pianistes qui ne sont pas simplement des robots à faire des notes, mais qui sont véritablement des êtres de chair et d'os. Et sinon, vous savez bien qu'ils ne seraient pas de grands artistes. Mais j'ai dit qu'ils se présentaient devant un jury impressionnant. C'est un des jurys les plus impressionnants qu'il m'ait été donné de voir réunis. Alors, plutôt que de faire durer, pour vous donner plus d'informations sur l'organisation de ce concours, ces Piano Masters,
je me réserve le petit entracte que nous ferons entre les deux concertos, entre le premier et le deuxième qui sera tiré au sort. Je ferai venir Jean-Marie Fournier, le fondateur de ce concours, il vous donnera plus d'informations. Mais tout de suite, je voudrais vous présenter ce jury, en commençant par sa présidente, Catherine Collard. Catherine Collard, une des plus grandes pianistes françaises, une spécialiste de Schumann, de Debussy et de bien d'autres. Elle-même, lauréate de nombreux concours, Debussy, Messiaen, Viotti, Busoni, etc. Véritablement quelqu'un qui était tout à fait désigné, qui plus est en cette année de la femme, pour présider ce concours prestigieux. C'était donc Catherine Collard. À ses côtés sont réunis Gersande de Sabran, Gersande de Sabran, duchesse d'Orléans, qui est elle aussi pianiste. Gersande de Sabran, qui a été élève d'Yvonne Lefébure et qui est connue comme étant une mozartienne émérite. À ses côtés, une des plus grandes personnalités du monde musical, son nom seul suffirait à le présenter, Rolf Liebermann. Rolf Liebermann, que nous connaissons bien évidemment pour avoir été l'administrateur de l'Opéra de Paris. Il a été l'administrateur aussi de l'Opéra de Hambourg, directeur du Mozarteum de Salzbourg. Il est aussi compositeur, il a composé de nombreuses œuvres. Il vient d'achever un concerto pour violon. Et eh bien, le souhait que nous avons tous, c'est qu'à l'issue de cette semaine qu'il a passée au jury de ce concours de piano, il compose un concerto pour piano. Je voudrais maintenant vous présenter Youri Boukov. Youri Boukov, pianiste d'origine bulgare, né à Sofia, naturalisé français. Il a remporté lui aussi un concours au début de sa carrière, c'était le concours national de Bulgarie, et ça lui a permis d'obtenir une bourse pour venir travailler en France, au conservatoire, où il a été l'élève d'Yves Nat, et il a remporté aussi de nombreux concours. Il sait ce que c'est qu'un concours, il a remporté le concours de Genève, lauréat du concours de Genève, Marguerite Long, Reine Elisabeth, des noms prestigieux. Il a été aussi le premier pianiste à faire une tournée en Chine en 1956. Michel Béroff, autre pianiste, membre de ce jury. Pianiste très précoce, puisqu'à l'âge de 17 ans, il était déjà lauréat du concours Messiaen de Royan. Il a un répertoire très vaste de Mozart à Messiaen. Et il a, particularité importante pour l'épreuve de ce soir, enregistré l'intégrale des concertos de Prokofiev et une des candidates présentes d'un concerto de Prokofiev, ainsi que les deux concertos de Liszt et l'autre candidate présente d'un concerto de Liszt. Il est donc particulièrement averti. Je voudrais maintenant vous présenter M. Richard Bachy. Richard Bachy, qui est le directeur de la Tonhalle de Zurich, une des plus importantes salles de concert en Europe. Claude Samuel, directeur de la musique à Radio France, et de ce fait un des plus grands organisateurs de concerts en France, puisqu'il patronne deux orchestres, l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, ainsi que les émissions de France Musique et du programme musical de France Culture. Je voudrais maintenant vous présenter Pierre Petit. Pierre Petit, critique musicale bien connue. Critique musicale du Figaro, directeur de l'École normale de musique, compositeur lui-même, ancien prix de Rome, Pierre Petit donc. À ses côtés, un autre critique musical, représentant de la nouvelle génération, Alain Lompèche. Critique musicale au Monde. Et par ailleurs, spécialiste du piano, puisque nous attendons tous de lui le livre qu'il doit faire paraître aux éditions Fayard, consacré aux grands pianistes du passé qu'il connaît aussi bien qu'il connaît ceux du présent. Alain Lompèche donc. Je voudrais maintenant vous présenter M. René Croesi. René Croesi est le directeur de cet orchestre philharmonique de Monte Carlo qui assure cette soirée. C'est un partenaire fidèle des masters de Monte Carlo. Je voudrais vous présenter maintenant M. Jean-Marie Fournier. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il est non seulement pianiste, directeur de la salle Gaveau, mais c'est celui qui a fondé ces masters de Monte Carlo, Jean-Marie Fournier. Et enfin, le 12e de ce jury,
C'est ce qu'on appelle le candide dans le langage de Jean-Marie Fournier, dans le règlement qu'il a édicté. C'est le candide, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'appartient pas naturellement au monde musical, mais qui a un intérêt, une appétence pour la musique. Et cette année, le candide, c'est Philippe Tesson, directeur du Quotidien de Paris. Philippe Tesson qui est lui-même pianiste d'ailleurs. On connaît plus son activité de journaliste, de directeur de journal. On sait d'ailleurs qu'il n'est guère candide puisque c'est une plume aiguë et acérée. On sait moins qu'il est pianiste. On sait encore moins peut-être qu'il vient de faire ses débuts de chef d'orchestre. C'était à l'Opéra Comique il y a quelques semaines. C'était donc Philippe Tesson. Voilà, le jury est ainsi donc prêt à entendre la première des deux candidates. Mais quelle est la première des deux candidates? C'est le sort seul qui peut en décider. Nous allons tirer au sort. Et pour cela, il fallait une main pure et innocente. La main pure et innocente, c'est celle d'une charmante jeune élève de l'Académie de musique Prince Rainier III de Monaco. Je l'appelle tout de suite Héloïse. Héloïse, si tu veux bien venir me rejoindre. Voilà la charmante Héloïse. Bonjour Héloïse, alors, le moment est important, c'est toi qui vas désigner la première des candidates à s'asseoir ici. Mais d'abord, j'ai dit que tu étais une élève de l'Académie de musique Prince Rainier III, alors qu'est-ce que tu y fais? Tu y joues quel instrument? Tu y apprends quel instrument? Du piano. Du piano, avec un professeur qui s'appelle comment? Monsieur Alonso. Et est-ce que dans quelques années, tu imagines te retrouver ici, participer au master? Oui. Oui, t'en es décidé, ma foi, je trouve que c'est très bien. J'espère en tout cas te retrouver ici pour te présenter sur cette scène, mais pour le moment, tu sais ce que tu as à faire. Il faut ouvrir la boîte, tirer au sort, me donner le nom de celle qui va concourir en premier. Alors, c'est à toi. Merci. Le moment est difficile parce qu'il y a sans doute deux cœurs qui battent en coulisses. Le nom qui s'affiche, c'est celui d'Adrienne Krauss. Adrienne Krauss. Merci Héloïse. C'est donc le sort en a décidé ainsi, la concurrente hongroise, une concurrente hongroise qui est née en 1967, qui a 26 ans, qui était d'ailleurs déjà finaliste l'année dernière des Masters de Monte-Carlo, qui s'est représentée cette année, qui est de nouveau parvenue en finale, qui était lauréate en 1985 du concours de Senigallia, premier prix, qui a été aussi médaille d'or du concours de Cincinnati, en 1989, et elle a choisi, ce qui est assez naturel quand on est hongroise, un concerto de Liszt, le premier concerto de Liszt, celui que Liszt a composé en 1839, mais qu'il a terminé une dizaine d'années plus tard seulement. Un concerto qui a été créé au château de Weimar. Liszt était au piano, et le chef d'orchestre n'était autre qu'Hector Berlioz, c'est vous dire que ce concerto avait commencé sous de bons augures. Eh bien, j'espère que ce sont ces mêmes augures qui viendront se poser sur les épaules d'Adrienne Krauss, qui va donc maintenant interpréter le premier concerto de Liszt avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé, je l'ai dit, par Jean-Bernard Pommier. J'appelle Adrienne Krauss.
Thank you.
Eh bien voilà, pour Adrien Krauss, le sort en est jeté, du moins le sort est entre les mains et les voix des membres du jury. Mais avant de découvrir la deuxième candidate, Natalia Trull, il faut que nous procédions à quelque chose qui est lié à la télévision, ce qui vous montre que nous sommes en vrai direct dans cette salle de l'Opéra de Monte-Carlo. C'est que pour que vous puissiez voir ces images sur vos écrans, il faut que nous rajoutions des éclairages. Nous rajoutions des projecteurs un peu partout. Et quand on rajoute des projecteurs, ça n'est pas idéal pour l'accord des instruments. Je vais donc demander à l'accordeur de venir donner quelques médications au piano afin que la deuxième concurrente puisse bénéficier d'un piano en aussi bon état que la première. Et je vais en profiter, puisque je vous avais dit que je voulais interviewer Jean-Marie Fournier pour vous donner quelques précisions sur ce concours, eh bien, je vais profiter du travail de l'accordeur pour inviter Jean-Marie Fournier à me rejoindre afin de donner quelques précisions au public. Jean-Marie Fournier, s'il vous plaît. On va se déplacer. Venez avec moi. On va se déplacer là pour essayer de ne pas déranger l'accordeur. Alors, Jean-Marie Fournier, j'ai dit que vous aviez eu une idée qui pouvait paraître étonnante, puisque je ne vous apprendrai pas qu'il y a au monde plus de 400 concours. 450, oui. 450. Alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée de rajouter à l'inflation en inventant un nouveau concours? Est-ce bien raisonnable? Il me semble que c'est raisonnable. D'une part, parce que ce soir, ces deux artistes que nous avons entendus ne seraient peut-être pas à Monte-Carlo avec ce superbe orchestre et ce chef, premièrement. Donc, c'est peut-être une des raisons qui me... Ça, c'est une bonne raison. Mais j'aimerais quand même que vous donniez des raisons un peu qui justifient un peu plus qu'en 89, je crois que c'est en 89, tout d'un coup, 200 ans après. Vous étiez à la salle Gaveau, vous étiez chez des amis. Comment est-ce que c'est né cette idée d'un nouveau concours? C'était la révolution en 89. Oui, mais encore. Mais encore. Biaisé un peu. Tout à fait. Mais non, la véritable raison, c'est que comme il y a 450 concours ou 500 dans le monde, ça fait beaucoup de pianistes qui sont récompensés. Alors le public se trouve un petit peu embêté pour savoir exactement comment faut-il placer chacun de ces pianistes. Ils ont un troisième prix, ils ont un prix spécial du jury, ils ont... Alors l'idée,
est venu de réunir ses candidats, ses lauréats. Les lauréats des concours internationaux, des concours internationaux, et de les faire concourir entre eux. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin que le concours des concours, c'est au niveau supérieur. Voilà. Bon. Du moins, c'est une présélection. Mais est-ce que on vous a jamais dit que vous étiez un tantinet sadique avec un règlement aussi difficile? Parce qu'il faut quand même que je rappelle bien, le règlement, c'est donc des huitièmes, c'est comme au tennis, hein, huitièmes de finale, quart de finale, demi-finale, et on arrive en finale avec deux concurrentes qui ont eu ce programme incroyable que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui, comme on dit vulgairement, se défonce dans deux concertos qui sont véritablement des pièces où elles mettent le meilleur d'elles-mêmes. Et puis, qu'est-ce qui va se passer tout à l'heure? Ce que vous allez voir, vous allez assister à ça en direct. Eh bien, il va y avoir une seule lauréate. Une lauréate qui va recevoir un prix de 30 000 dollars, qui va avoir évidemment une noria d'engagement à la suite, et puis l'autre n'aura rien. Ça vous semble pas un peu cruel? Si, c'est cruel, mais... Vous êtes donc le Gilles de Rais du piano. Oui. Non. Non, mais alors, dites-moi ce que vous en pensez. Oui, j'en pense que c'est vrai que le règlement est difficile, et surtout à l'application, je me rends compte que pour ces candidats, c'est vraiment terrible. Mais ça fait vous ne regrettez rien? Non. Mais ils ne le regrettent pas aussi, parce que ceux qui sont tombés... Celle qui va perdre va regretter, sans oui, doute. Oui, mais écoutez, l'année dernière, il y en a une des deux qui a perdu, oui. Et qui est là aujourd'hui, qui est arrivée jusque-là. Adrienne Krause. Tout à fait. Et nous avons des candidates qui ont été éliminées et qui ont déjà prévenu qu'ils revenaient, d'une part par l'accueil qu'elles ont reçu à Monte-Carlo, et c'est très important, mais elles ont envie de gagner, ils ont envie de gagner. Donc vous n'avez aucun remords. Aucun. Alors, on peut dire d'ailleurs, je crois que c'est intéressant de dire qu'il y a des fidélités à ce concours, puisque il me semble que nous avons rencontré tout à l'heure, sur les marches de l'Opéra de Monte-Carlo, quelqu'un qui a eu son heure de gloire l'année dernière, tout puisque c'était tout le vainqueur. Tout à fait. Il est là, à droite, au fond, dans la salle. Exactement. Il jouait hier soir en Italie, et c'est Mamie Cognan qui s'est trouvée il y a un an ici, et qui est parmi nous. Ça fait très plaisir c'était de voir. C'était de Mamie Cognan, effectivement. Alors, je voudrais qu'on vienne maintenant, rapidement, je crois que l'accordeur a terminé, mais il y a une chose que je voudrais que vous m'expliquiez. C'est comment est organisé un concours aussi complexe? Vous savez, on commence par y penser, par le rêver, mais ensuite il faut pouvoir le réaliser. Alors pour le réaliser, je suis allé voir Philippe Maurice et je lui ai expliqué ce que j'avais envie de faire, parce que c'était un côté un petit peu sportif, c'est vrai. Et j'ai pu, grâce à Alain Fernandez, réaliser et me trouver, amener le concours à se faire en 89. Et puis, vous savez que le symbole du concours, c'est une main d'or, et cette main se trouve dans un écrin merveilleux qui est Monte-Carlo, qui est la salle Garnier, qui est l'orchestre de Monte-Carlo. C'est formidable. J'avoue que je vis vraiment un rêve. Bah ben c'est très bien. Une dernière question avant de vous demander d'aller regagner le jury. Puisque vous avez été pianiste, est-ce que vous auriez eu envie de vous présenter à un tel concours s'il avait existé un peu oui, il y a quelques années? Oui, juste à la finale pour être dirigé par Jean-Bernard Pougnier. Donc si je comprends bien, vous avez compris qu'il est un petit peu sadique dans la création du règlement, un petit peu masochiste, parce qu'il voulait bien aussi participer à tout cela. C'est en tout cas l'auteur de cette soirée, si j'ose dire, puisque c'est grâce à lui que nous sommes ici, c'est Jean-Marie Fournier. Je vous demande de l'applaudir en attendant d'accueillir notre nouvelle candidate. Merci Jean-Marie. Et maintenant, le piano est prêt pour l'épreuve qui va être l'épreuve décisive aussi pour la deuxième candidate, c'est Natalia Troul. Natalia Troul vient de Russie, elle est née en Russie en août 1956, elle a donc 36 ans, elle vit toujours à Moscou d'ailleurs. Elle a été premier prix du concours de Belgrade en 1983 et surtout deuxième prix, c'est peut-être encore plus important, deuxième prix du concours Tchaïkovski en 1986. Vous savez que c'est un des concours les plus prestigieux au monde. C'est elle maintenant qui va venir interpréter le concerto qu'elle a choisi, le troisième concerto de Prokofiev. Un concerto, anecdotiquement, que Prokofiev a commencé à l'âge de 22 ans et qu'il a terminé à l'âge de 30 ans pendant un séjour en Bretagne. C'est donc un concerto qui est presque un petit peu français, qui est respiré cette terre de la Bretagne, bien qu'il ait été ensuite créé à Chicago, vous voyez que la musique voyage. Mais ce soir, c'est donc Natalia Troul qui l'interprète pour cette épreuve finale des 4e Masters de piano de Monte-Carlo. Elle est accompagnée, bien sûr, comme toute la soirée, par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, toujours dirigé par Jean-Bernard Pommier. J'appelle Natalia Troul.
Thank you.
Thank you.
Eh bien voilà. Vous voyez que les dés sont jetés, puisque vous vous rendez compte que le jury est déjà parti délibérer. Et nous, pendant que le jury va délibérer, puisque nous sommes en direct, il faut occuper la vingtaine de minutes qu'ils nous ont demandé pour délibérer. J'imagine que vous, dans cette salle, comme vous derrière votre poste, vous avez déjà fait votre choix ou vous êtes en train de converser pour affiner votre choix entre Adrienne la blonde et Natalia la brune, Adrienne la hongroise, Natalia la russe, Adrienne la petite, Natalia la grande. Beaucoup de choses les opposent. Une chose les réunit, manifestement, toutes les deux, un grand art pianistique. Je dois dire d'ailleurs que, d'une certaine manière, je préfère être à ma place qu'à la place du jury. L'année dernière, il se trouve que j'ai eu le privilège de participer au jury des masters de piano. Et c'était, d'une certaine manière, plus simple parce qu'il y avait un candidat, Vardan Mamikonian, qui écrasait complètement tout le concours, qui dominait. Alors, nous n'avons pas eu longtemps à délibérer pour lui donner le prix. Je crois que ce soir, il y a un équilibre qui s'est manifesté, d'ailleurs, semble-t-il, tout au long de cette semaine, et c'est ce que nous allons découvrir, puisque pendant ces minutes de délibération du jury, je vais vous proposer de regarder un petit film que nous avons réalisé, Jean-François Clerc et une équipe qui a suivi tous les concurrents depuis leur arrivée dimanche soir, et qui va nous permettre ainsi de découvrir l'intimité de ces... l'intimité... J'entends du bruit, c'est l'orchestre, je me retourne parce que j'entendais un bruit étrange comme une cavalcade de bisons. C'est tout simplement l'orchestre philharmonique de Monte Carlo qui s'en va. Je crois qu'on pourrait, avant que je continue, les applaudir parce que... Ils le méritent. Ils le méritent plus que largement. Vous savez ce que peut être pour des musiciens d'accompagner en une soirée 4 concertos, puisque je rappelle pour ceux qui nous découvrent à la télévision, ceux qui sont dans cette salle le savent, nous avons commencé la soirée à 21h avec 2 fois le 3e concerto de Beethoven, puis vous l'avez vu, le concerto de Liszt, le concerto de Prokofiev. Ça fait un véritable long et difficile travail, d'autant quand on travaille sous les projecteurs de la télévision, je l'ai dit, on est un petit peu chaud. Alors, bravo à l'orchestre de Monte Carlo. J'ai donc dit que nous allions dans quelques secondes pouvoir retrouver cette semaine à travers les petits drames intimes, les petits problèmes des uns et des autres, quelque chose comme un carnet impressionniste, un carnet de notes pour faire un jeu de mots qui va nous montrer ce qui s'est passé pendant une semaine avant d'arriver à ce soir, à ce moment décisif. Nous attendons que puisse se mettre en place ce petit film réalisé, donc, je vous le rappelle, par Jean-François Clerc et toute son équipe. Et dès que nous serons en place, nous pourrons suivre comme une sorte de mémoire, au fond. Vous allez voir, la chance, d'ailleurs, de Jean-François Clerc et de son équipe, c'est d'avoir, je dirais, d'instinct, senti qu'elles étaient ceux qui allaient arriver en finale. Parce qu'il a eu la bonne idée de suivre dès le début Adrienne, Natalia, et puis aussi ceux qui ont participé à la demi-finale, et à travers quelques conversations, à travers la manière dont vous allez voir, la manière dont ils se disposent les uns et les autres à cette épreuve marathon, eh bien on comprendra mieux ce qui fait la difficulté de ce film. Je vois qu'il est prêt, alors je vous propose que nous le regardions ensemble. On a la possibilité de travailler aujourd'hui? En arrivant, oui. Tout à fait, vous pourrez aller travailler une heure à deux vers 3h à l'académie. Et est-ce qu'on peut essayer le piano en fait avant? Demain, vous pourrez, dans la matinée avant que l'épreuve commence, vous pourrez essayer le piano en condition de l'épreuve avec donc sur la scène à l'opéra. Ah, ce bleu de la Méditerranée, moi. Toi, j'avais pas vu. Comment ça donne le moral? On oublie presque que c'est un concours en fait. Voici donc votre chambre. Piano.
C'est grâce à lui qu'on va peut-être pouvoir accéder à cette finale espérée. Mais là, premier problème pour chacun, c'est d'abord tout simplement la hauteur du siège. Je vais essayer un petit peu de dormir, si je peux. Merci. Il n'y a pas, je pense.
J'aime jouer à le concours. Quand j'étais jeune, c'était très difficile chez nous, à notre pays, parce que il fallait passer, comment dire en français, les compétitions chez nous, puis encore une compétition chez nous. Et après ça, peut-être, on te donne la permission pour jouer à le concours à l'étranger. Moi je prends ça parce que l'autre arrivée est impossible. D'accord. C'est mal aux mains. Bonjour monsieur. La compte finie. Maintenant. Non, d'accord. S'il y a des temps, si vous voulez passer 5 minutes, bon, on essaiera de, un petit moment s'il a le temps, s'il finit pas trop tard. Okay. Merci. Vous retournez en haut? Oui. Vous retrouvez le chemin? Ou je vous emmène? Je viens avec vous. Ou... Merci, monsieur. Merci. Parce que vous ne me connaissez pas. Merci. Merci, monsieur.
Je ravise les choses. Bon, continue. La première série d'épreuves, les huitièmes de finale, s'achève. Partie de 15, les concurrents vont rester 8, puisque le principe des masters, tel qu'il se déroule au tennis par exemple, est le même ici. Le jury a commencé de choisir, c'est-à-dire d'éliminer. Un jury qui, exceptionnellement pour ce film, nous a autorisé à pénétrer dans la salle des délibérations. Plus compliqué parce qu'il faut jouer à 11h. C'est un petit peu trop tôt pour moi. Il faut réveiller. Qu'est-ce que vous avez fait hier? J'ai travaillé toute la journée. Et là, cet après-midi? Je travaille aussi. Sans attendre le résultat? Il faut travailler quand même. Si je passe, si je passe pas. Pour les conditionnels plus difficiles, je crois que j'avais fait quelque chose. Naturellement, ce n'était pas une chose maximale, non. Ah, quelque chose, oui. Toujours un piano. Qu'est-ce que c'est? Dommage. Trop
ça donne quelque chose. Pendant ce temps, dans le hall de l'opéra, ils attendent, le ventre noué, en essayant de cacher leur tension. Il en restait 8, 4 vont être éliminés. Lui a fait le signe attendu, c'est gagné pour Adrienne. Elle est sélectionnée pour la demi-finale. Et ceux-ci, les trois Russes. 2 sur 3 sont retenus. Il reste donc ce mercredi soir 4 demi-finalistes. Il est temps d'en savoir un peu plus sur eux. Comment est-ce que vous avez choisi votre programme ? Il y a quelques raisons, hein, parce que pour choisir un programme juste pour concours, c'est autre chose qu'un programme pour concert. Bien sûr. Parce que il faut être c'est pas possible de jouer comme un concert. Il faut jouer comme il faut jouer, la différence. Il faut plus contrôler, plus tranquillement, et sans les choses du... C'est possible. Les choses qui les choses de tout de suite, ces moments. Tu as appris quelque chose et de pas. Il faut moins faire passer les sentiments, il faut être plus contrôlé. Vous voulez dire qu'il faut prendre moins de risques dans un concours que dans un concert. Natalia Trull, vous avez déjà participé à quelques concours, vous avez été lauréate du concours Tchaïkovski. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici, participer au Master de Monte-Carlo ? J'aime jouer à le concours. Dans le concours. Vous aimez jouer les concours ? Oui. Et pourquoi les concours ? Quel est ce qui vous pousse précisément dans les concours ? Je ne sais pas en français, le stimulus. Ah, le stimulus, la stimulation. Oui. Que vous ne trouvez pas en contraire. Travailler pour... Comme ça. Donc vous avez besoin de cette émulation, de cette tension ? Oui. Et quelle est la différence avec le concert ? Le concert, vous êtes moins... Le concert, je suis libre. Je peux jouer comme ça, je peux ne pas jouer. Mmh. Et à le concours, je dois jouer. C'est une stimulation. Je prends, par exemple, le troisième de Beethoven, le troisième de Prokofiev que vous avez choisi si vous arrivez en finale. J'imagine bien que vous les aimez, mais vous aimez d'autres concertos. Pourquoi ces deux-là ? Pourquoi ces deux-là ? Parce que le troisième de Prokofiev, je l'aime beaucoup. Et c'est un concert... pour le concours. Ça m'intéresse. C'est pas Schumann. Qu'est-ce que c'est qu'un concerto pour le concours ? Le concert pour le concours, c'est une tradition, je pense. Qu'il faut jouer un concert brillant pour le public. Vous pensez au dernier mouvement du Prokofiev ? Oui. Spécialement. Oui.
Elle, c'est Lolita Petrovskaya, une Russe qui ne parle que russe, ce qui nous a empêché de converser avec elle. Elle est née le 9 octobre 1958, elle a donc 34 ans. Elle a été l'élève de Vladimir Kraïnev et du grand Lazar Berman au Conservatoire de Moscou. En 1988, elle a obtenu le 5e prix du concours de Trapani. C'est assurément un fort tempérament pianistique. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant cette année, depuis cette finale de l'année dernière jusqu'à maintenant? J'avais un concert à Monte-Carlo, c'était le festival de printemps. Et puis j'ai joué un concerto à Budapest, qui était le concert de clôture du festival de printemps aussi. J'ai joué avec un grand orchestre dans une grande salle, c'était vraiment bien. Vous êtes venu avec votre ami pour cette finale, enfin pour cette série, pour ces masters. C'est important pour vous d'avoir ce soutien de quelqu'un qui est près de vous? Absolument important. On le voit dans la coulisse, auprès de vous. Oui, c'est... parce que c'est très bon avoir quelqu'un qui est absolument avec moi, toujours. Si je joue mal, si je joue bien, il est toujours avec moi. Il est pianiste lui-même? Non, il est compositeur. Et vous allez jouer un jour de ces compositions? Oui, j'ai joué déjà hier une petite valse. Voilà, c'est l'avant-dernière délibération du jury, avant l'ultime, celle qui se déroule maintenant pendant que vous regardez ce petit film. Le jury a bien travaillé, les concurrents ont donné le meilleur d'eux-mêmes, sont allés jusqu'au bout d'eux-mêmes. Quant au résultat de cette délibération, eh bien vous le connaissez, il annonçait la sélection des deux finalistes, Adrienne Kraus et Natalia Trull. La suite, c'est tout de suite. Eh bien, voilà. Comme je viens de le dire, la suite, c'est tout de suite, c'est-à-dire le résultat. Le jury a délibéré. Sans plus attendre, ça serait trop cruel pour les nerfs, j'appelle le jury du 4e master de piano de Monte-Carlo avec sa présidente Catherine Collard. Le jury, s'il vous plaît. Madame Catherine Collard, présidente du jury, et les membres du jury. Mettez-vous de manière à ce qu'on vous voit tous bien. C'est un petit arc de cercle autour de ce trophée. Et je passe sans plus attendre la parole à la présidente Catherine Collard. Voilà, ben nous sommes très heureux au terme de cette semaine de concours d'avoir pu décerner un prix. Une semaine qui a été riche en émotions et qui a été absolument passionnante. Je crois que je voudrais surtout mettre l'accent sur le fait de la difficulté de ce concours et saluer au nom du jury et moi-même et de moi-même le courage, le talent et l'énergie, je dirais, de tous les candidats sans exception. Je pense que ce concours est extrêmement difficile, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises ce soir, notamment au plan du répertoire, de la variété des styles et surtout de cette sorte de marathon qui est imposé à chaque candidat. Donc je crois qu'il faut saluer leur courage et a fortiori le courage aussi de la deuxième finaliste qui malheureusement ne sera pas nommée ce soir, mais qui arrivait à ce stade du concours a beaucoup de mérite. Nous tenons à la remercier et à la féliciter chaleureusement. Je crois qu'il est temps maintenant de donner le résultat de ce 4e Masters de Monte-Carlo. Le prix a été attribué à Natalia Trull. Natalia Trull, j'aimerais qu'elle puisse nous rejoindre. Natalia Trull, qui représentait la Russie. Natalia. Et je demande à Alain Fernandez, que Jean-Marie Fournier nous a présenté tout à l'heure, de venir remettre ce prix. Alain Fernandez, Jean-Marie Fournier vous a présenté tout à l'heure, c'est à vous de remettre ce prix.
la coupe. Et la coupe, vous le savez, est assortie d'un chèque de 30 000 $, ce qui n'est pas négligeable. Oui, elle est un petit peu lourde. Et d'autant, si vous le voulez bien, Alain Fernandez, je voudrais que vous n'encombriez pas les mains de mademoiselle Natalia Trull, parce que j'aimerais, à l'issue de cette soirée, qu'elle nous offre un petit bis. Je voudrais quand même demander à Jean-Bernard Pommier de nous rejoindre, puisque Jean-Bernard Pommier, avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, a été un artisan de cette soirée. Jean-Bernard Pommier, le voilà. Comme l'a justement souligné Catherine Collard, une pensée que nous avons émue pour Adrienne Krauss, qui n'a pas démérité, mais c'est Natalia Trull qui a remporté cette quatrième finale. Je vais vous demander, Natalia, si vous voulez bien peut-être poser ce bouquet et nous interpréter un bis piano seul, d'accord? Qu'est-ce que vous avez choisi? Chopin, mazurka. Une mazurka de Chopin. Ça me fait une liaison tout de suite. Un tout petit moment, une petite liaison. Vous savez qu'à la télévision, on cherche toujours des liaisons. Ça me fait une liaison idéale pour vous annoncer, à vous tous qui êtes ici dans la salle et vous qui êtes derrière vos postes de télévision, que ce week-end de fête de la musique ouvert par cette finale des Piano Masters en direct depuis l'Opéra de Monte-Carlo, eh bien, continuera demain avec un nouveau direct. Demain matin, à l'aube, je prends l'avion pour quitter malheureusement Monte-Carlo, où j'aurais bien aimé rester et passer un week-end agréable. Mais je reviens à Paris, puisque demain matin à 11h, je vous retransmettrai en direct le 10e festival Chopin de Bagatelle, avec 3 jeunes pianistes à découvrir dans un programme Chopin. Ce sera donc la suite de ce week-end. Mais tout de suite, honneur à Natalia Trull, une mazurka de Chopin pour terminer. Merci Natalia, bravo au jury, bravo Natalia. Merci à tous, au revoir. Cette soirée s'achève ici. Je n'ai plus qu'un mot à vous dire. À l'année prochaine pour les 5e Piano Masters de Monte-Carlo. Bonsoir.